OK. On essaie ça à nouveau. Est-ce que ça fonctionne? Fonctionne pas? Ça devrait fonctionner, là. Moi, je vois mes petites lumières. OK. Ah oui, ça fonctionne maintenant. Oui. OK. Technique avec la porte. Ah, ça a l'air fonctionné. Ça a l'air fonctionné. OK. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que ça va bien avec le devoir. Je vais commencer avec un petit annonce, un petit machin, là, où j'aimerais bien obtenir votre aide, si possible. Si vous allez sur Blackboard, donc c'est pas nécessairement maintenant, là, est-ce qu'il y a des gens qui ont exploré du côté ici, contenu? Une personne? Donc, du côté contenu, puis là, on va juste attendre un petit peu, il y a du matériel pour, jusqu'à maintenant, les trois premières semaines de cours. Blackboard n'est pas la chose la plus intuitive, mais si vous allez, vous voyez sur le petit étiquette ici, semaine du, vous voyez que c'est un lien, on peut cliquer dessus. Puis là, pour chacun des modules qu'on a vus en classe, il y a en fait pas mal de textes que j'ai écrits. Il y en a même beaucoup. Là, je suis à la recherche de, par exemple, celui-ci, Java. Puis là, vous voyez sur la gauche, il y a des menus. Là, évidemment que... je pense que je peux enlever ce menu-là. Non. Je ne suis pas un très grand adepte. Je ne suis pas sûr comment fermer ça, mais enfin, vous avez compris l'idée. Ici, il y a du texte en bas. Pour une raison quelconque, j'ai un peu de difficulté là, avec mon écran réduit à vous montrer les choses. Mais il y a beaucoup de texte, comme ça, avec du matériel. On peut aller au tableau. Puis là, il y a toutes les explications. Encore une fois, je vais bouger ça un peu. OK, donc sur un ordinateur d'une taille normale, là, c'est plus facile à voir. Donc, il y a du texte. Ça serait le fun si certains d'entre vous pourraient regarder ça, consulter, voir si c'est utile. Puis, je veux même vous montrer que le programmeur qui travaille avec moi a fait des choses assez intéressantes. Donc, on salue Manuel qui travaille sur ça. Si on va dans... Semaine 3, je pense. Oui, assise. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout le temps intuitif. Là, il faut cliquer vraiment en haut sur ce lien-là. Puis là, si on va à « What's this? », juste pour vous démontrer, pour essayer de susciter un peu de l'intérêt là, pour que vous jetiez un œil à ça, on a vraiment programmé des choses assez rigolotes comme dans le texte, vous voyez qu'il y a un petit pointillé autour d'un mot. Si on glisse sur le mot, on voit que la variable « day » ici, c'est celle-là. Et si on glisse sur l'autre, c'est la variable d'instance. Donc, on a vraiment fait des associations comme ça. Puis on est allé même un peu plus loin que ça, si je me déplace un petit peu dans le texte. Même dans le texte, quand on parle de « day », ça pointe dans le code sur la variable en question. Donc, il y a vraiment un effort qui a été fait pour ajouter des éléments utiles où on utilise vraiment le fait d'être en ligne, le fait d'avoir un ordinateur pour ajouter de l'interactivité. Donc, si vous voulez regarder ça, dans quelques semaines, j'aurai peut-être des questions pour ceux qui auront
consulter le matériel. S'il y a des sections où vous dites, waouh, c'est vraiment sec, là. Je ne vois pas comment tu passes de là à là. C'est utile, ça me donne des indications de sorte que je peux améliorer puis ajouter des choses pour vos collègues de l'an prochain. Okay, donc, ça, c'était ma petite annonce. Est-ce qu'il y a des questions pour le devoir? Ça va bien? Oui? Un peu plus du minimum, mais un peu plus du maximum. Donc, est-ce que tu as été en mesure de dessiner le graphe? Donc, tu as un certain graphe, il y a une certaine allure. Est-ce qu'il ressemble un peu à ça? Ça ressemble à ça. Est-ce que tu as exploré un peu avec l'environnement, ça s'appelle J-Free Chart, quelque chose comme ça? Bien, regardez, entre autres, la documentation présente, il y a des méthodes. Il y a une méthode où on peut dire, ajoute au graphique que tu as présent, que tu viens juste de créer, un polynôme dont l'exposant est, puis tu lui donnes une valeur, puis là, oups, tu vois la courbe se superposer à la tienne. Et donc, par essai erreur, ou de façon assez systématique, tu pourrais programmer une petite boucle qui en ajoute plusieurs. Tu vas voir les courbes se superposer avec la courbe expérimentale. Et l'idée, c'est d'avoir un polynôme qui borne les résultats par le dessous, un polynôme qui borne par le dessus, puis un polynôme qui semble approximer le résultat recherché. Donc, c'est ça l'idée, c'est d'ajouter trois courbes. Il y a déjà la fonction, c'est vraiment aussi simple que de faire un appel, lui passer les bonnes valeurs pour ce polynôme-là, et il va faire le dessin pour toi. En fait, je dois dire que on était un petit peu hésitant avec ce devoir-là parce qu'on trouvait qu'il n'y en avait pas assez. Surtout pour la deuxième partie, je regardais ça, puis je dis, mais il y a vraiment juste quelques lignes à ajouter, c'est tout. Donc, ça ne devrait pas être très compliqué. Donc, si vous êtes rendu très, très loin, puis vous avez 1000 lignes de code, là, vous êtes loin, là. C'était vraiment quelques lignes à ajouter dans la deuxième partie. Oui? Oui. Oui, dans la bibliothèque de Java, il y a une classe Format, il y a une classe Number Format. On se crée un Format Object, on lui dit, je veux deux décimales. Ensuite, on n'a qu'à passer un nombre et Number Format va nous retourner une chaîne de caractères représentant ce nombre avec seulement deux décimales. Donc, tout est là. Si tu me poses la question sur Piazza, je peux même te donner des exemples. OK, c'est bon? OK. Donc, aujourd'hui, on poursuit avec l'idée de polymorphisme. Okay, donc, on a parlé d'héritage comme étant un concept qui permettait de structurer du code. Plusieurs classes avaient des attributs et des méthodes qui pouvaient être mis en commun. On a utilisé l'héritage. On a fait ça avec les formes géométriques. Une super classe Shape avait X et Y, Get X, Get Y. C'était la première étape. Deuxième étape, on a dit, il y a une idée en informatique qui est très forte, qui s'appelle du polymorphisme, où on veut avoir des méthodes qui fonctionnent sur différents types d'objets. Déjà, on avait le getX, getY, était hérité des sous-classes. On avait écrit du code une fois, puis il fonctionnait sur différents types d'objets. On est allé un petit peu plus loin avec le polymorphisme par sous-typage, où on a implémenté une méthode qui s'appelait isLeftOf, est à la gauche de. Puis on s'est dit que pour implémenter isLeftOf, on a seulement besoin de comparer les x. Les x sont communs à toutes les formes géométriques. On peut mettre la méthode isLeftOf dans la superclasse Shape. On lui a déclaré un paramètre, other, de type Shape. Puis on a vu que
il y a cette idée-là en Java où on peut copier la référence d'un objet dans une variable référence dont le type est plus général que celui de l'objet. Donc, on avait isLeftOf, un paramètre other de type shape. On peut passer des objets de la classe circle, rectangle, etc. Puis on a dit isLeftOf est une méthode polymorphique. Elle fonctionne pour tout type de forme géométrique. On a trouvé une façon encore plus, j'oserais dire, puissante de créer du polymorphisme, où on a dit, on veut que toutes les formes géométriques aient une méthode pour le calcul de l'aire, area, mais ça, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut implémenter dans la superclasse, mais pour vraiment s'assurer que tous les objets de classe shape ont une méthode area, on a déclaré la méthode area dans la superclasse. On ne pouvait pas l'implémenter là, fait qu'on l'a mis de type abstrait. Puis là, ça force les sous-classes à fournir une implémentation. Avec ça, on a été capable d'implémenter une méthode qui s'appelait compareTo. Celle-là, on l'a poussée dans la superclasse, puis on a dit, elle compare toute forme géométrique en fonction de l'aire. Elle peut faire ça parce que on sait que toute forme géométrique devra fournir une implémentation pour la méthode area. Okay, donc, c'est en résumé, là, c'est ce que j'ai compris de ma présentation. J'espère que vous autres aussi. Là, on va faire quelque chose d'un peu différent, du polymorphisme encore, polymorphisme paramétré qui, à mon sens, est encore plus utile. Particulièrement pour le cours ITI 1521, ça va vraiment être la chose à utiliser pour faire des piles, des fils, des listes chaînées, des arbres binaires de recherche. Ça va nous permettre de concevoir une seule implémentation puis qu'elle va fonctionner pour tout type de données de Java. Donc ça va être quelque chose de vraiment utile. Donc, je pense que ça vaut la peine de porter attention à ces idées-là. Puisque la dernière fois, vous m'avez dit que c'était plus le fun si on programme, comme ça, c'est plus dangereux pour moi, je peux faire plus d'erreurs, je vais programmer. OK. Ah, et puis c'est blanc. J'ai changé de câble. L'autre câble avait une des composantes RGB qui était manquante, puis c'était bleuté. Là on a un beau fond blanc. Je pense qu'on voit à peu près tout sur l'écran du texte. OK, donc, je repars avec l'idée d'une paire. OK. L'idée de la paire, c'est tout simplement que c'est quelque chose de simple à coder. C'est à peu près utile. Je pense que c'est assez normal. Oui, j'aurais une application, puis je voudrais sauver des paires d'objets. Ça semble utile comme chose, mais c'est suffisamment compact et simple d'implémentation qu'on peut le mettre à l'écran. Donc, je repars de l'idée d'une classe paire. Ici, j'ai pris celle qui s'appelle pairvar, var comme variable, dans le sens où j'ai deux variables d'instance, first, second, qui me servent à sauvegarder, dans ce cas-ci, des entiers. Ma question pour vous, c'est comment modifier cette classe-là pour que je puisse sauvegarder des objets de la classe temps? Donc, je vais ici, j'ai une classe, okay, on va enlever des décorations un peu. J'ai une classe qui s'appelle temps, puis j'aimerais modifier la classe pairvar de sorte que je puisse sauvegarder deux objets de temps. C'est même quelque chose d'utile, on peut penser que je vais utiliser pairvar pour créer un intervalle de temps. Il y a un temps de début, il y a un temps de fin. C'est le temps de cette classe-ci, débute à une heure,
se termine à 2h20. Okay, donc, exemple assez concret. Comment je change la classe pervert pour que ça fonctionne? C'est une vraie question. c'est pas supposé être compliqué, là. Vous allez voir où on va aller avec ça. Oui? Est-ce que j'initialise? Tu veux dire ici, je vais recevoir un objet temps dans first, ici, là, dans mon paramètre first init. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je modifie pour que ça marche? Il faudrait que le type ici soit time. Est-ce que ça compilerait? Il faut que ici j'ai time. Get first me retourne quelque chose time. Set first, si je t'ai bien compris, je vais mettre time ici. Puis, est-ce que ça serait logique que je fasse la même chose avec l'autre? Time. 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 Est-ce que ça compile? Tools. Faire un petit build. Hey, ça marche. Ça a compilé. On pourrait essayer d'utiliser ça. Allons-y ici avec pervar. On va l'appeler P. P est égal à new pervar. New time. Oh, là, c'est quoi les paramètres pour le constructeur? Heure, minute, seconde. Y en a-t-il une qui n'a pas de paramètres? OK. Ça va aller. Donc, on parlait de test. Donc, on va mettre les choses simples. 1, 2, 3. New time. 4, 5, 6. Est-ce que ça compile? Moi, je fais juste taper, là. Alors, tools, built. Hey, on est pas mal bon, ça compile. fait que là, on a fait une classe qui s'appelle pervar, qui nous permet de sauvegarder deux objets de la classe temps. Si je voulais, je pourrais l'appeler pervar time. Parce que j'aimerais ça aussi en avoir une autre qui me permettrait de sauvegarder des chaînes de caractères. Qu'est-ce que je modifie de la classe pervar pour pouvoir sauvegarder des objets de la classe chaîne de caractères? C'est-tu bien compliqué comme transformation? J'ai besoin d'aide. Je suis vraiment, je suis mal pris, là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais changer pour que je puisse utiliser pervar maintenant pour sauvegarder des objets de type string? Okay, je ne suis pas super habitué avec ce logiciel-là, fait que je regarde comment ça marche. Je cherche quelque chose qui dirait « find and replace ». Edit, cut, paste. Ouais. Ah oui, find. Il y a un menu pour ça. Ah, replace. Oui. Time. Qu'est-ce que tu veux que j'y mette? String. Replace all. OK, est-ce que ça compile? On va aller à build. Tool, build. Hey, on est pas mal bon. Est-ce que test pair va compiler maintenant? Il ne devrait pas, hein? On va essayer quand même. Oups. OK, ça ne marche pas. C'est évident. Celle-là, elle était conçue pour des objets string.
comme ça. Built. Hey, ça marche. C'est bon. OK. Donc là, je pense que vous commencez à avoir l'idée. Là. On n'a pas besoin de faire un exemple avec des personnes. Là, ou des... Donc là, qu'est-ce qui est... Pourquoi est-ce qu'on a pu seulement changer le type des références ici? Pourquoi est-ce que ça a marché? Est-ce que tu as la main levée? Oui. Ah, ben je passais Gatineau. Ouais, oh, à côté. OK. Oui, dans ce cas-ci, quand j'ai « first »,« second », je ne fais pas d'opération sur ces objets-là, je fais juste « sauvegarder ». Tu me les donnes, je te dis « OK, mon contrat, c'est « je vais les garder » jusqu'à ce que quand tu vas me demander « get first », je vais te donner le premier, « get second », je vais te donner le deuxième. Si tu me dis « remplace le premier », je vais remplacer le premier, mais il n'y a jamais dans le code des énoncés de la forme « first point » Get hours, get minutes. Donc, c'était indépendant du type des objets. Il n'y avait rien de spécifique au type des objets. Ça a fonctionné. On est-tu d'accord que c'est vraiment bête? Je cherchais un mot à peu près poli, là. C'est vraiment bête de prendre le même code source et de le copier dans un nouveau fichier, change le nom et je recompile. C'est le même code. C'est vraiment bête. Sûrement qu'il y a une meilleure façon de faire. Ce que j'aimerais être en mesure de faire, c'est un peu ça. Est-ce qu'on est d'accord? J'aimerais ça, en quelque sorte, une espèce de mise en évidence, puis de dire, une paire, le premier élément a un certain type, le deuxième élément a un certain type, et, si possible, de demander à l'utilisateur, c'est-à-dire au programmeur qui utilise la paire, « Peux-tu me fournir une valeur pour le type? » Oui, ça serait utile. On peut faire ça en Java. On peut dire le type des objets, c'est X. Qu'est-ce que X? X est une variable de type. X n'est pas présentement connu. Je suis en train de dire, c'est une paire. Une paire de quoi? Bien, une paire de X. Qu'est-ce que tu veux dire, X? Bien, X est un paramètre de type qu'on va spécifier. En haut, au niveau de la déclaration de la classe, on ajoute cette syntaxe-ci. Plus petit que un nom, plus grand. Comme une méthode a parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, liste de paramètres, une classe en Java a crochet angulaire ouvrant, liste de paramètres, crochet angulaire fermant. Ce sont des paramètres formels de type. Je suis en train de dire maintenant, paire var, c'est une classe qui permet de sauvegarder des objets d'un certain type X. Ce type-là n'est pas encore connu.
Bon, là, je peux peut-être vous amener en bateau, là, fait que on va compiler cette chose-là. Est-ce que ça compile? Ah! Oh, fantastique, ça compile. On peut peut-être, on n'y croit pas, on va aller dans le terminal pour s'assurer que ça marche vraiment. On va aller sur mon desktop, Java C, pair, var, Java. Non, non, vraiment, ça compile. C'est bon, ça marche. OK. Donc là, que ce soit clair, X est en position où il y aurait un type. OK? C'est le type de first init. C'est le type de second init. C'est le type de retour. Là, il y a une belle association à faire. First est de type X. First init est de type X. Je prends quelque chose de type X. C'est quoi X? On ne sait pas encore. Mais quand on va le savoir, on sait que first puis first init ont ce type-là. C'est le même type. Fait que c'est logique. Encore mieux que ça, quand je vais retourner la valeur de first, ça va retourner quelque chose de type X. Ah, OK, c'est logique. J'ai reçu quelque chose de type X. Je l'ai sauvegardé dans ma variable first de type X. Puis quand je l'ai retourné à l'utilisateur, j'ai retourné quelque chose de type X. OK. Comment on utiliserait ça? On va aller dans notre test. On va enlever des choses. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre integer. Comme ça, c'est facile à taper. Alors, est-ce que ça a de l'allure? On va essayer de compiler Java C. Est-ce que vous êtes plus convaincu quand j'utilise le shell ou quand je compile à l'intérieur? Vous dites, hey, il nous fait utiliser le shell, il est mieux d'utiliser le shell lui-même. Ça a compilé. Je dis, oh, mais qu'est-ce que je viens de faire? Wow, j'ai fait quelque chose de puissant. J'ai dit, P est une référence, OK. Qu'est-ce que tu peux faire avec P? Bien, je peux désigner des objets de la classe pairvar, mais pas n'importe lesquels. Des objets de la classe pairvar qui spécifiquement vont sauvegarder des objets de la classe integer. Ah ouais, une seule implémentation pairvar. Puis là, j'ai fait une première utilisation, on va y sauvegarder des entiers. Mais qu'est-ce que je peux bien mettre dans P? Bien, il faut que je mette la référence d'un objet. Donc, new, pairvar. Puis là, il faut que je dise, au moment de la construction de cet objet-là, c'est un objet, c'est une paire, mais c'est une paire d'entiers. Donc là, il y a des chances que ça va déborder de l'écran. Fait que ce que je vais faire ici, c'est qu'on va s'initialiser des variables. Donc, integer i1, i2, oups, i2. i1 est égal à new integer, puis on va y mettre 15. Vous pouvez déjà deviner, oups, j'avais dit i1, il faudrait que j'écrive i1. Qu'est-ce que c'est la valeur dans i2? 21, bravo! 15, 21. 1, i1, i2. Ça, est-ce que ça compile? Oh, ça compile. OK. Pourquoi est-ce que je devrais être si impressionné du résultat? Je suis impressionné du résultat pour plusieurs raisons. Je vais faire un deuxième exemple, puis on va revenir à celui-ci dans une seconde. On va commencer avec des choses qui fonctionnent. Donc, on va faire string S1, S2. S1 est égal à new string. On va mettre M
S2 est égal à new string T. Là, on a besoin P1 pair var. Celle-ci va servir à sauvegarder des objets de la classe string. P2 va la désigner. P2 est égal à new pair var. Pas n'importe quel pair var. Pair var qui peut sauvegarder des objets de la classe string. Puis je vais passer S1, S2 en paramètres. On regarde si ça compile. Absolument, ça compile et ça fonctionne. Donc, on a commencé avec l'exemple sans erreur, parfait, qui démontre l'utilité. Ici, on a une seule classe, elle s'appelle pairvar. Je l'ai utilisée pour sauvegarder des objets de la classe integer, des objets de la classe string. Puis je ne vais pas vous embêter, mais certainement que vous avez l'idée que si je voulais maintenant une classe, un objet pair qui sauvegarde des objets de la classe time, c'est pas plus compliqué que ça. Je me déclarerais T1, T2 de type time, je crée mes objets pair var qui sauvegardent. Donc, l'intérêt, l'attrait ici, la chose qui est vraiment pas trop loin d'être géniale, c'est l'idée que j'ai une seule implémentation de la classe pair et je l'ai utilisée dans des contextes différents. Alors, ici, ce qu'on a fait quand j'ai déclaré P1 de type pairvar, j'ai dit « Ah, cette variable de type-là, x, je veux que tu l'associes avec le integer. » Donc, j'ai fourni une valeur de type. En termes d'idée de passage de paramètres, j'ai passé un paramètre actuel de type dans le paramètre formel de type x. Integer était mon paramètre actuel quand j'utilise, et x est le paramètre pour la classe pairvar, son paramètre formel de type. Pourquoi est-ce que c'est intéressant tout ça? C'est intéressant parce qu'on a réussi à faire tout ça de façon typée. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Mais si maintenant je fais I2 est égal à P1.getFirst, méthode getFirst retourne a une valeur de retour de type x. Dans ce contexte-ci, j'ai dit la valeur de x, c'est integer. Integer est compatible avec integer. Au niveau des types, ceci a fonctionné. Si j'essaie de compiler ça, est-ce que ça compile? Ça va. Donc, les choses se comportent au niveau des types d'une façon très, très sécuritaire. Il n'y a pas eu de forçage de type où on a dû dire au compilateur, « Attends, là, je vais faire une manœuvre dangereuse. Toi, comme compilateur, tu n'es pas capable de faire des raisonnements suffisamment sophistiqués. Moi, je vais prendre la relève et m'assurer que tout est correct. » On a un mécanisme ici qui nous permet de faire les choses de façon fortement typée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que ça va fonctionner? P1 est une référence de type pairvar. Est-ce que ça devrait fonctionner? Non.
Il me dit, hey, hey, P1, c'est de type pervers, où la valeur de X, c'est integer. Toi, tu me proposes un objet pervers dont la valeur de X est string. Ça ne fonctionne pas. Puis, je vous l'ai dit, c'est assez étonnant, là, mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Le compilateur a été capable de détecter une bêtise qu'on aurait fait. Il est 2 heures du matin, on est en train de mettre à jour notre statut Facebook en même temps qu'on regarde un épisode de quelque chose, en même temps qu'on lit ses courriels, on écoute de la musique évidemment en même temps, puis on est en train de coder, on a pris 3 Red Bull, ça va bien, on code, là, ça va à vitesse de la lumière, ça se peut qu'on fasse des erreurs, le compilateur va venir, va dire « Wow, qu'est-ce que tu as fait là? » OK. Non, c'est pas un bon moment. Okay, mon téléphone a sonné. Donc, c'est quelque chose qu'on aime. C'est vraiment quelque chose qu'on aime. Dans quelle mesure est-ce que ça fonctionne, cette affaire-là? Recorrigeons ceci. Fait que là, ça devrait compiler. J'affecte pervers chain dans une référence qui est de type pervers chain. Je mets il y a un ici. Est-ce que ça va fonctionner? C'est évidemment que ça ne fonctionne pas. C'est blindé, cette affaire-là. Ça me dit, pervar, c'est supposé de sauvegarder des objets tels que la valeur de X et string. Tu ne peux pas me passer la référence d'un integer pour ça. Ça ne marche pas. Oui? Au niveau des références, double et integer sont toutes les deux des sous-classes de number. Ils ne sont pas en termes d'héritage, là, l'un sous l'autre. Fait que ça ne marcherait pas. Ce n'est pas au niveau conceptuel, c'est au niveau comment ils sont interconnectés dans la hiérarchie des classes. Et number n'est pas une sous-classe de double ou l'inverse. Donc, ça ne fonctionnerait pas. On va essayer de voir un autre endroit où on pourrait essayer de tester ce truc-là. Donc, ça ici, c'était S. Ce qui sort de là, si je m'en viens ici, X, je déplace ça là. Si je mets ça maintenant dans S2, est-ce que ça marche? Ça ne devrait pas marcher. Puis, je vous encourage vraiment. C'est vraiment comme ça où vous vous dites, si ça, c'est vrai, je me fais un petit exemple, puis ça devrait donner un message d'erreur. Je le corrige. Est-ce que ça, puis, si ma compréhension est bonne, ça devrait corriger l'erreur. Ici, qu'est-ce qu'il faudrait pour corriger cette erreur-là? Comment est-ce qu'il faut que je change le côté gauche ici? Pardon? C'est ça, ça me prend quelque chose de type, soit que je fais P2 ou je mets I2 parce que I2 est de type integer. Mais il faut que ce qui est à gauche et ce qui est à droite soient du même type. Vous voyez, c'est super fort cette affaire-là. Ça. Wow. OK. Est-ce que ça compile? Okay, puis l'attrait va être qu'on va créer des piles, on va créer des fils, on va créer des arbres binaires, on va créer des listes et on va faire une seule implémentation, un fichier, une implémentation, puis on va l'utiliser pour sauvegarder des jetons, des personnes, des voitures, des n'importe quoi. Ça va vraiment être utile. Ouais. Hey, t'es exactement où je m'en allais. T'as deviné ma pensée. Fait que là, peut-être que tu trouverais ça le fun si on pouvait mettre deux valeurs de type. S, T, par exemple. Alors,
Ceci est de type S. Ceci est de type S. Ceci va être de type T. Second est de type T. Get first, ça retourne quelque chose de type S. Get second de type T. S. T. Donc là, on va compiler pair var pour voir si j'ai fait une erreur. Java C, pair var.java, ça marche bien. OK, donc là, on est en train de dire pair var est une classe qui permet de sauvegarder deux choses. L'une est de type S, l'autre est de type T. Alors, comment on va utiliser ça? Bien, évidemment que là, il faudra faire des petites modifs. Avec l'exemple qu'on a ici, on dirait, ben, c'est integer, integer. Donc, le premier integer, on dit, la valeur de S, c'est integer. La valeur de T, c'est integer. Ici, oui, ça c'est bon. On va aller ici, string, et string. Comme ça, on va s'assurer que ça compile. On a une petite erreur, pair var. Ah, j'en avais oublié un. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Integer. Est-ce que ça compile? Et ça marche. Puis là, vraiment, j'imagine que tu avais peut-être en tête quelque chose de plus nuancé, là, comme peut-être pair var puis là string puis peut-être double puis on peut appeler ça pi ou c comme constante c est égal à new pair var où on va passer string comme le premier argument, double pour le deuxième. Là, encore une fois, l'écran, si j'utilise des fonts qui sont assez gros, il n'est pas très large. Donc, on va avoir string name, name est égal à pi double. V est égal à new double. Puis là, ouais, j'arrive dans une minute. Math pi, comme ça. Name V. Est-ce que je me suis planté? Puis là, on a un peu de fierté, là, fait qu'on ne va pas tout simplement bêtement laisser le compilateur trouver s'il y a une erreur. C'est une référence de type pair var. À gauche, j'ai string, à droite, j'ai double. Donc, S est de type string, T est de type double. Je crée un objet pair. Je me suis assuré que les signatures sont identiques. Le premier élément du constructeur est de type string, name est de type string, v, le deuxième argument est de type double, c'est de type double. Ça compile-tu? Oui? Comme pair var, là? Il y a plusieurs avantages, mais c'est vraiment l'idée est je t'ai embauché pour un boulot, puis je te demande d'écrire une classe pour sauvegarder des éléments comme une liste.
vous avez vu en Python list. Je vous demande de concevoir une liste en Java. Ton implémentation de liste, tu dois donner le type des valeurs. Alors, tu as fait une première implémentation, puis tu as dit, c'est une liste pour des personnes. Je reviens le lendemain à ton bureau, je dis, hey, j'aurais besoin d'une implémentation d'une liste. Je veux qu'elle serve à sauvegarder des objets de la classe temps. Tu vas prendre ta classe liste de personnes, tu vas la sauvegarder dans un autre fichier. Find and replace, tu vas remplacer personne par temps. Le lendemain matin, pour t'embêter un peu, je vais venir te voir. Je vais te dire, j'ai besoin d'une liste, mais pour sauvegarder des objets de classe shape. Tu vas prendre ton implémentation, tu vas la recopier dans un troisième fichier. Tu vas faire tous les changements. Les changements sont vraiment bêtes. C'est de la forme, change le type de la variable, dans ce cas-ci, on en était rendu à time, par shape. Donc, c'est vraiment fastidieux, bébête. Tu ne voudrais pas être payé 140 000 $ à faire des find and replace. Là. Tu dis, hey, j'ai fait 4 ans d'université, je veux qu'on se serve de mon cerveau un peu. Tu dis, je veux une seule implémentation, un fichier. Ton boss vient, il dit, je veux l'utiliser pour sauvegarder des objets de la classe personne. Tu dis, ben oui, tu as juste à faire new list, le type, c'est personne. Une seule implémentation, réutilisable dans plusieurs contextes. Imagine maintenant que tu n'avais pas ça, puis tu as trois fichiers. Tu as liste de personnes, liste de shape, puis liste de temps. Tu t'aperçois que tu as fait une erreur dans l'une des méthodes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir le premier fichier, corrige. Deuxième fichier, corrige. Troisième fichier, corrige. Ici, je te propose une implémentation où il y avait une erreur dans la méthode getFirst. Je la corrige. Toutes les millions d'utilisations de cette classe-là, automatiquement, sont corrigées, ils fonctionnent. Il y a énormément d'avantages à avoir une seule implémentation qu'on réutilise dans des contextes divers. Et avec les génériques, on peut faire ça de façon fortement typée. Le compilateur est là pour s'assurer que si j'essaie de passer le type personne, puis on s'attendait à des objets temps, compilateur ne veut pas. Donc, tout est fortement typé, mais à la fois générique. As-tu acheté ma salade? Ouais. Oui? Il y a une syntaxe, on appelle ça un littéral, qui nous permet de créer un objet comme ça. Les deux fonctionnent. Je peux faire new string. Quand je fais new string, là, je suis un petit peu plus intelligent que le compilateur, je l'ai forcé à créer un nouvel objet. Si j'avais mis le littéral, juste string, le compilateur, il dit, hey, peut-être que je pourrais réutiliser la même chaîne à deux endroits, parce que de toute façon, les chaînes, ça ne change pas, puis il pourrait faire une petite optimisation. Donc, c'est vraiment juste ça. C'est quasiment la même chose, sauf que ici, je force la main au compilateur, il n'est pas capable de me passer deux fois la même référence. Je lui ai dit, crée un nouvel objet. Donc, il y aura vraiment deux objets distincts tout le temps, où tous les objets sont distincts. OK, donc là, on vient de voir, ça compile. Hey, c'est fabuleux. Puis, vraiment, l'important ici, c'est qu'on n'a rien perdu au niveau de l'assistance qu'on peut avoir du compilateur pour nous aider à trouver des erreurs. Encore une fois, j'étais rendu à mon quatrième Red Bull, puis là, le clavier bougeait, ça shakait. Le compilateur me dit, non, tu ne peux pas utiliser pairvar qui s'attend à avoir un double ici, puis en lui passant une chaîne là. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas. Fait que le compilateur est là
Parce que peut-être que dans un certain problème donné, j'aurais deux paires. L'une est une paire string double, l'autre est double string. J'en avais besoin de ces deux formes-là. Puis c'est facile de faire une erreur où j'assigne le résultat de l'une dans l'autre. Ici, on a rendu ça vraiment impossible. Donc là, il n'était pas content. La seule façon que je peux le rendre heureux, c'est en ayant des types qui fonctionnent comme ceci. Si on est de retour, ça compile. C'est bon? OK. C'est assez joli, finalement. Je dis, c'est une paire. Une paire de quoi? Bien, une paire de S et de T. Bien, c'est quoi S puis T? Bien, c'est des paramètres de type. Au moment de l'utilisation, comme ici, on décidera. P1 pointe vers des objets qui sont des objets où first est de type integer, second est de type integer. P2 pointe vers des objets où les deux références sont chaînes et celle que j'ai appelée C pointe vers des paires telles que le premier est une chaîne et le deuxième est un double. Tout ça est fait de façon fortement typée. J'avais une seule implémentation. Je l'ai utilisée dans trois contextes bien, bien différents. OK? J'ai fait pas mal de blabla. On va juste voir, passer rapidement pour voir si... premièrement, il faut que j'aille dans le bon jeu. OK, donc ça, on en a parlé. Donc, on s'est dit, il y a une implémentation pour pair. Ce qui change entre ces... quand on veut sauvegarder des objets de différents types. Apparemment que mon crayon ne veut pas aujourd'hui. Bon. C'est vraiment le type ici. On a donc trouvé une façon de paramétrer la classe. On a dit le type des variables first et second, c'est un paramètre de la classe. On appelle ça des types génériques. Pair est devenu un type générique. Générique en quel sens? Dans le sens général, il fonctionne pour n'importe quel T. T sera connu au moment de l'utilisation. Donc là, ça, c'est des exemples. Je veux juste m'assurer là, que je n'ai pas rien omis. Donc, les génériques, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Important dans le sens où ça fait 17 ans que j'enseigne Java, puis qu'avant la version 1.5, je n'étais pas capable de faire des choses comme ça. Je pouvais... les implémentations que j'offrais étaient sales. Il fallait faire des forçages de type. Puis ça, ça veut dire que l'erreur qui existait dans le code n'était pas détectée au moment de la compilation. C'était au moment où le Airbus 380 passait au-dessus de nos têtes, qu'il y avait un énoncé du code qui était exécuté. On voyait une trace apparaître sur l'écran du pilote, puis c'est là où le pilote venait vous demander « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi 1521 puis qui pourrait venir déboguer ce truc-là? » Donc, une seule implémentation et validation très, très forte des types au moment de la compilation, c'est génial. Moi, je regarde ça, là, puis j'ai une petite larme au coin de l'œil, là. Je me sens vraiment fier de vous présenter ça. OK, donc là, tout ça, on l'a vu. On a vu toutes les erreurs possibles, on les a testées, on s'est bien aperçu que c'était, à mon sens, utile. Twitter. OK. Peut-être qu'on devrait mettre « ne dérange pas ».
quand même pas voir mon épouse m'envoie des bisous, des choses comme ça. Ça pourrait être pas drôle. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin. Ça va bien jusqu'à maintenant? Ce n'est pas si compliqué que ça, je pense, et c'est fortement utile. Je vais tricher puis je vais voir. Est-ce que j'ai déjà fait la modif? Ah, j'ai déjà fait la modification. Bien, je peux même utiliser les types avec les interfaces. Wow! Je peux même avoir une interface paramétrée. Alors, interface pair, c'est pour ça que j'avais pair var puis pair array tout à l'heure, parce que je me préparais à vous proposer l'interface. L'interface pair a ses types, ses paramètres de type. L'interface pair a une liste de deux paramètres de type, deux paramètres formels, x et y. GetFirst retourne quelque chose de type x. SetFirst reçoit quelque chose de type x. GetSecond retourne quelque chose de type y. Et SetSecond, un paramètre de type y. Est-ce que c'est important que j'ai appelé ça x et y? Pas du tout. C'est des variables. Ici, des variables un peu spéciales. C'est des variables de type. J'aurais pu les appeler s et t, a et b, etc. Alors, pairvar implements pair. Puis là, je dois lui fournir des valeurs. Donc, pairvar est une implémentation possible de l'interface pair. Pair a un paramètre de type, un paramètre d'entrée S. Je lui fournis ici une valeur. Donc ici, ce qui est assez intéressant, là, puis il faut, moi, ça me ramène beaucoup à la réalité quand je pense à des appels de méthodes. J'ai une méthode sum qui a un paramètre A. Quand je fais l'appel, il y a le paramètre actuel. J'ai pu lui passer la valeur de X, Y, A, B, etc. Il y a un certain type ici, puis il y a un type au niveau de la déclaration de la méthode. Celui-ci, c'est actuel, celui qu'on utilise, et celui dans la déclaration, c'est le formel. Lui, il reçoit. Même idée ici. Ici, pairvar a un paramètre en entrée S. Donc, quand on déclare pairvar, puis on dit new pairvar, où la valeur de S, c'est string, on prend ce qu'on a reçu string, puis on le passe maintenant à pair. Pair, quand on implémente une interface, qu'est-ce qui se passe? On dit, moi, classe pairvar, je promets d'implémenter toutes les méthodes de l'interface pairvar. Pair a une méthode getFirst qui retourne quelque chose de type, dans ce cas-ci, x. Donc ici, je suis en train d'associer s et x. J'ai reçu quelque chose en entrée, je le passe en entrée à pair. Même chose, j'ai reçu une valeur, je la passe à pair. Le contrat maintenant à respecter, c'est je dois avoir une méthode getFirst qui retourne quelque chose, dans ce cas-ci de type S, et la méthode setFirst reçoit quelque chose de type S. Est-ce que tout ça marche? On commence à être... Java C pair, est-ce que l'interface, je peux la compiler? L'interface compile. Est-ce que je peux compiler maintenant Java C pair var? Ça marche. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour tester ça? Test pair.
OK. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a P1 est une référence de type paired ayant pour valeur de x et y, integer, integer. Dans une variable référence d'un type interface, on peut sauvegarder la référence d'un objet qui réalise l'interface. Est-ce que pairVar réalise l'interface pair? Ben oui, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. On a modifié la classe pairVar. Je pourrais faire toutes les modifs ici. Et tout ça pourrait fonctionner. On a mélangé maintenant tous les concepts qu'on a vus dernièrement. On a des génériques, on a des interfaces, et tout ça fonctionne. Que ça compile. Là, j'ai juste... La chose qui est intéressante quand on programme comme ça devant la classe, c'est qu'on découvre en direct des petits problèmes. Est-ce que je peux facilement modifier pair array? Ah, en fait, c'est un super bon exemple. Je suis super heureux. Non, c'est bon. C'est bien le live. C'est le fun d'être un petit peu plus réveillé. Qu'est-ce qui est le problème avec pair array, là? Qu'est-ce qui pourrait être embêtant, mais que... Oui? Ouais, c'est que ici, là, un tableau en Java, tous les objets sont du même type. Fait que ce que ça veut dire, c'est S, S, S. Oh, ça va être encore pire que je pensais. Oh, que je me cale. OK. S, 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 S. Il faut qu'il y ait toutes le même type, mais là, implements, pair, puis là, ben, je vais être forcé de dire S et S. Avec cette implémentation-ci, je ne suis pas capable de sauvegarder des objets de deux types différents. Parce que j'ai utilisé un tableau, puis désolé, un tableau. Tous les objets du tableau sont du même type. Il y a juste un petit problème, là, c'est là où je ne voulais pas trop aller, là. OK, c'est là où on croise les doigts. On a fait pas mal de... Oh, il y a des erreurs. OK, on recommence ça. OK, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Oh, il y en a beaucoup à part ça. Ah, OK, ça c'est simple. Il n'avait pas mis ça. Les joies du direct. Ça allait bien jusqu'à maintenant, mon affaire. Hey, parfait. Ça compile. Ouais, il y avait juste une petite erreur. Puis ça, ici, c'est un petit message qu'on peut facilement faire disparaître. Pourquoi il n'aime pas ça? C'est juste un petit warning. OK, donc ça compile, ça fonctionne. Maintenant, il faut que je vous explique un peu les magouilles que je viens de faire. Oui. Mais parce que
parce que ce que je viens... Ah, mais non, il y a... Imagine, j'ai une méthode somme. OK, je ne parle pas de générique. J'ai une méthode somme qui a paramètres A et B qui fait la somme des deux machins. Est-ce que je peux appeler la méthode somme avec un seul paramètre? Non. L'interface pair a deux types de paramètres. Deux types. Si je me souviens bien, c'était X et Y. Je dois lui fournir des valeurs pour X et Y. Donc là, je suis en train de dire, mais ton X, c'est S. Ton Y, c'est S. C'est le même type. Et tout ça est causé par le fait que cette implémentation-ci, j'utilise un tableau et les tableaux ont forcément le même type pour tous les éléments. Le petit truc ici qu'il faut que je vous explique, là où j'ai dû faire une magouille, c'est là où le compilateur, vous voyez, même s'il m'a permis de compiler, il m'a quand même dit, Marcel, tu es en train de faire quelque chose de pas très joli, là. Java a été conçu dans les années 90. Mon premier programme Java, je l'ai écrit en 95. Puis dites-moi pas que vous n'étiez pas né. Java a été conçu il y a très longtemps. Pendant plusieurs années, il n'y avait pas les génériques et c'était un langage un peu inélégant à certains endroits. En 2000-quelques, quand on a introduit les génériques et la version 1.5, on a souhaité que les programmes Java existants fonctionnent toujours. C'est le même problème avec Windows. Windows n'est pas très bon parce que les programmes qui ont été développés il y a des millénaires doivent fonctionner encore sur Windows. Ça cause toutes sortes de défis. Quand on essaie de garder la compatibilité avec le passé, c'est parfois on rencontre des murs, on n'avait pas prévu certaines choses. Donc, il est impossible en Java d'écrire ceci. Ça serait super logique. Les objets sont de type S. On va créer un tableau dont les objets sont de type S. Ça ne marche pas. Generic Array Creation, Java ne peut pas faire ça. Pour des raisons théoriques, pour des raisons d'implémentation, pour des raisons de compatibilité avec les programmes qui ont été écrits avant les génériques, il était impossible de solutionner le problème. On avait le choix, faire en sorte que les anciens programmes ne fonctionnent plus avec la machine Java virtuelle ou ne pas permettre la création de tableaux dont le type est générique. Comme il y a toujours moyen de moyenner, il y a toujours moyen de hacker les choses un peu, on peut faire la chose suivante. Qu'est-ce que c'est objet? C'est une classe, oui. C'est la super classe, elle est en haut de l'arbre Java. Cette classe-là est unique parce qu'elle n'a pas de parents. Oups, il y a un petit... Moi, mais comment elle est née, là? Elle est tout en haut de l'arbre. Elle n'a pas, il n'y a pas de classe plus générale que ça. Wow! Vous vous souvenez? On peut prendre la référence d'un objet d'une sous-classe et l'affecter dans une variable référence d'une superclasse. Hey! Objet étant tout en haut, on peut sauvegarder dans la référence, dans une référence de type objet, la référence de tout objet en Java. C'est vraiment puissant dans ce sens-là, mais ça ne vaut rien dans l'autre sens. Parce que présentement, ce qu'on a comme type de compilation, c'est
objet. Donc là, si je ne fais pas ce forçage de type-là, j'ai quelque chose ici de très général. Tableau dont les références sont objets, puis je veux mettre ça dans une référence qui est forcément beaucoup plus spécifique. Le compilateur ne devrait pas aimer ça. Puis il a raison. Il me dit, écoute, tes types ne sont pas compatibles. Je ne peux pas prendre la référence d'un tableau dont chaque référence est objet, puis mettre ça dans quelque chose de spécifique où chacune des références de ce tableau-là est de type S. Je ne peux pas faire ça. C'est dangereux. OK? C'est là où on vient, puis on dit, je suis un adulte. Laisse-moi faire ça. Ici, c'est très dangereux ce qu'on est en train d'écrire. Il n'y a aucune conversion de fait. On a juste dit au compilateur, mon petit tabarnouche en canadien, mon petit effronté, dis-moi pas que je ne peux pas faire ça. Je te relève de tes fonctions. C'est vraiment ce que je suis en train de faire. Avec le forçage de type, ici, je dis au compilateur, je sais ce que je fais, embête-moi pas, compile cette ligne-là, même si elle est super dangereuse. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est super dangereux parce que si le code n'était pas bien fait, il se pourrait qu'on retourne à l'usager quelque chose qui n'est pas de type S. Puis là, au moment de l'exécution, ça va causer des défis. Donc ici, j'ai bien analysé mon code et je pense que ça va fonctionner. Je me suis donc permis d'utiliser un forçage de type et ça fonctionne. Donc là, c'est assez… on a un exemple qui est assez, assez élaboré, là. Si on amène « pair », puis on va le déplacer, on a une interface « pair ». On a une première implémentation où celle-là a deux variables d'instance. On peut donc sauvegarder des choses qui sont de type différent. J'ai une implémentation ici où j'utilise un tableau, mais parce que j'utilise un tableau, je suis forcé que les deux éléments de la paire soient du même type. Et j'ai été en mesure de valider que tout ça fonctionne. Donc là, on va compiler tout le monde pour voir. Wow! OK, il y a des choses qui ne fonctionnent pas là-dedans. Un petit peu casse-cou, mon affaire, aujourd'hui. Scratch n'était pas supposé être là. OK. Scratch n'est pas valide. Scratch. OK. Vous voyez, c'est facile. Quand il y a des choses qui ne compilent pas, on les élimine. Yeah, ça marche. Ça compile. Bon. Puis là, on peut s'assurer, dans des cas comme ici, pair array pourrait fonctionner puisque j'ai deux fois le même type. Oui. Oh. OK, ça ne marche pas, mon exemple. Ah, j'aurais définitivement dû réfléchir avant de le faire. Ah oui. OK, moi j'ai trouvé la solution, oui. Ben oui. Pair array SS. Way to go. Oh! OK. Whoa, la. OK, non. Bon. OK, j'ai trouvé la solution. Je
On efface bare array. Est-ce que vous connaissez, vous avez lu 1984, le bouquin? Non, il y a un très bon bouquin, George Orwell, qui est très populaire, qui est un best-seller présentement aux États-Unis parce que on compare un peu Donald Trump au personnage dans 1984, parce que dans 1984, ce personnage-là efface le passé. Donc là, il va être intéressant de voir si sur Echo 360, j'aurai effacé tout ce qu'on vient de faire là et remplacé par une version qui fonctionne. OK. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Je vais essayer de réfléchir. Bien, ça nous a fait réfléchir, hein? Ensemble, pas mal de trucs. Donc, dans les notes, j'ai eu la meilleure idée de poursuivre avec plutôt l'interface comparable, un exemple qui fonctionne très bien puis qui est en fait tiré de la librairie de Java. Et ça m'a permis d'écrire un algorithme de tri qui fonctionne maintenant pour tout type d'objet de Java. OK, donc, je vais continuer à réfléchir un peu sur le test avec pair array pour voir s'il y a une façon de s'en sortir et de récupérer la chose. Si vous avez des questions pour le devoir, je vous invite à aller sur Piazza.